Et salut tout le monde, c'est Ashra, et on se retrouve pour toute la vidéo sur Arc Aberration. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous parler justement d'une chose qui m'a quand même. Que je voulais vraiment vous parler. C'est surtout que que maintenant, je peux vous mettre, mettons les liens de vidéo en fin, tout ça, l'écran de fin en fait, sur YouTube Studio. Voilà, en fait, je peux vraiment vous le faire. Alors, si vous voulez que je vous le fasse, vous avez juste à me le dire. Voilà, je vais vous le mettre en fin de vidéo. Et vous allez me dire si vous aimez ça. Voilà, maintenant, je peux tourner des vidéos. Je vais vous mettre aussi la fin. Voilà, en fait, je peux faire des mini-montages grâce à mon PC qui est justement à côté de moi. Voilà, que je vais aussi maintenant, aussi que je vais utiliser là. Mais, pour l'instant, je ne vais pas vous parler tout de suite de ça. Ok. Donc, on va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller thème ce fameux basilic. Voilà. Alors, ce fameux basilic que tout le monde adore tant. Voilà, mais que moi j'haïs totalement. Pendant cette vidéo, je vais faire quelques petites coupures. Voilà, justement, maintenant je peux, vu que c'est des vidéos. Hein, ça, vous n'y avez pas pensé? Alors, bon. Ça risque d'être quand même assez long, ça on s'en fout, plusieurs d'éléments je garde, j'ai aucune idée, ça va me servir à quoi, mais ça va me servir à quelque chose. Jette ça, jette ça, jette ça. Gourde, on garde, je vais garder plusieurs gourdes sur moi parce qu'on va en avoir de besoin, on pourra pas les remplir. Tranquillisant, je garde pas ça, on enlève. Balle de pompe, je garde. Épée, je garde pas. Pierre d'escalade pour être réparé dans l'atelier. Alors, on va aller réparer le pierre d'escalade. On va laisser aussi mon armure anti-radiation dedans. Et on prend mon armure anti-émeute. Non, même pas. On va prendre aucune armure pour ça. Bon, on n'en a pas besoin, hein, déjà, de 1. De 2, mon armure anti-radiation, elle a pris très cher dans la dernière vidéo, quand même. Bon, ouais, tout a rien à faire, hein. Mais pareil, non, en vrai, on va prendre, je pense, une armure en métal. Voilà. Il manque la tête et les gantelets. Bon, j'ai les gantelets anti-émeute, on va les prendre. Non, je les ai deux fois. Et bien sûr, on va se faire le casque. Voilà, on se fait le casque. Voilà, tout simplement, je vais me faire un deuxième pilote d'escalade aussi. Parce que je pense que juste un, ça ne suffira pas. Voilà, on va mettre le deuxième ici, voilà. On va réparer l'autre qu'on a ici. Voilà. Bon, maintenant, en fait, là, on s'est tout équipé, comme vous voyez. Pour le timing, on va utiliser notre Reaper King, qu'on n'a pas encore utilisé pendant toutes les vidéos. Donc, il faut pas qu'il serve à quelque chose, hein. Alors, pour le basilic, ça va être tout qu'on équipe, ouais. Ok, il y a l'autre. En tout cas, la peau on enlève, ça on garde. Voilà, toute la peau est magnifique. Juste avant d'aller le faire, je pense que je vais seulement vider. Ok, c'est bon. Ouais, parce qu'on pourra jamais y aller. Parce que sérieux, les yeux de Rock Drake, c'est vraiment trop lourd. Comme vous voyez, 50 de poids. Alors, j'ai pris mes petits yeux. 8, 18, 6. On va faire la chenille avec le métal. Ok, pourquoi je peux pas les récupérer en fait? Trop proche. Bon, vous allez voir. En fait, je vais arrêter pour l'instant. Je vais faire une petite ellipse le temps que je transfère le métal et on se retrouve juste après. Ok, ouais, alors on est revenu malheureusement. Voilà, comme vous voyez, en fait, il y avait un basilic jusqu'ici. Voilà qui se pond devant moi. J'ai réussi au début à pas justement le déterrer, mais malheureusement, j'ai dû le déterrer juste après.
En voilà. Au pire, on va essayer avec, pour l'instant, le ravageur. Est-ce que tu vas déjà aller manger l'œuf? What? Mais attendez, c'était quoi ça? What? Attendez, c'est quoi ça? What? Bon, bah. Ok. Je m'attendais vraiment pas à ça, sérieux. Ok. En fait, voilà. Bon, je pense que ce que je vais faire, on va laisser le basilic ici. Voilà. Je vais aller remettre un. Je vais aller chercher mes deux œufs de Rock Drake, finalement. Et ok. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai rien fait. J'ai même pas dû l'attirer, ni rien. En fait, il est allé tout seul. Il est directement allé à. À l'œuf tout seul. What? Ok. Bon, ben, je baise les quêtes, hein. Normalement, j'avais vu sur le wiki, justement, sur mon ordi juste à côté, avant de relancer, justement, mon ordi qui est un Chromebook. Attendez. Et c'est toi. Oh, what? Mais genre, comment? What? Mais genre. Oh merde, attendez, je suis pas. What? Mais regardez la vitesse du basilic! Oh! Ici. Regardez la vitesse du basilic! What? Mais c'est quoi ça? Il va trop vite! Il va vraiment trop vite. C'est n'importe quoi. Oh. Ok. Le pire, je vous dis rien. Hein. J'ai amélioré la vitesse d'apprivoisement en x3. Voilà. x2. x2. Justement pour que ce soit pas trop long non plus à atteindre. Parce que je me suis dit, s'il faut plus que 3 œufs, ça va être extrêmement long. Mais la vitesse, finalement. Mais c'est n'importe quoi. Regardez! Il va plus vite que moi! Regardez. Oh merde, c'est vrai, j'ai oublié de regarder. J'ai mis mon dragonneau ici. Voilà. Alors, j'ai droppé les œufs. Finalement, le basilic est sorti un petit peu trop vite de sa cachette. Ah ouais. Ah ouais, mais ici. Alors, on va laisser notre dragonneau ici. Attendez, on va faire bien apparaître. Voilà, comme ça. Voilà, je trouve que notre dragonneau est beaucoup plus stylé comme ça, je sais pas vous. En tout cas, regardez. Ah ouais, mais il est trop beau. Oh, le basilic. Oui, en passant, oui, j'étais en mode créatif. C'était pas tout à fait normal. Je n'avais pas le choix. En tout cas, là, on va faire la selle normalement. C'est toi qui manges? Ah ouais. Je me demandais c'était quoi ce bruit-là, ouais. Le temps qu'on fasse ça, je vais aussi aller voir au pire. Juste qu'on regarde des petites créatures et tout. Mais en fait, on va pas faire ça. Attendez. Non, il faut que j'écrive à une main en vrai sur un ordi, j'ai ça. J'écris mal! Ah! Après ça, on va peut-être essayer d'aller faire. Glowtail. On va peut-être essayer aussi d'aller faire un petit homing d'un petit dino. Ce nommant le Glowtail. Qui est aussi une créature que j'aimerais énormément avoir. Est-ce qu'il fait un son précis? Non, il n'a pas de cri. Herbivore, homing passif. C'est un microluministe Chiki. Voilà, c'est une créature fantastique. Créature de fantaisie plutôt. C'est un reptile. On peut pas le monter, on peut le prendre. La méthode d'apprivoisement. Alors, sa nourriture préférée, c'est les graines de spécimen Z. Il donne.
Il mange surtout, voilà, il est dans le DLC d'Aberration et de Valguero. Spawn Common, c'est pas ce que je veux. Taming Method, c'est avec des fleurs rares. Ok, j'ai pas de fleurs rares, je pense. Voilà, alors les œufs, on va aller les remettre dans le frigo, voilà, qui est juste ici, comme vous voyez. Voilà, alors j'ai rajouté notre œuf de niveau quoi? De niveau 34, voilà. Alors, je sais pas quel œuf il a mangé. Est-ce qu'il a mangé le niveau 18? J'espère que non. Non, il a pas mangé le niveau 18, il a mangé le niveau 6, je pense. En vrai, il a mangé le plus petit niveau, en vrai, c'est parfait. Comme ça, au moins, ça nous permet. Oh non, mais sérieux, le basilic, mais il est trop beau. Oh, mais il est trop beau. Oh, il est mignon. Sans terre. Ah ouais. Ah ouais. On voit juste le bout de sa queue et tout en plus. Ah ouais, il est vraiment trop beau, ça. Il est vraiment trop beau. Ça. On va s'en venir ici. On va faire ça sèche, si je me trompe pas, ça vaut des gemmes rouges. Gemmes rouges ou gemmes bleues? C'est pas vrai. Bon, alors on va écrire basilic. Normalement, comme ça devrait déjà être correct. Schéma, celle de basilic. Il nous manque fibres, lingots de métal. Ah ouais, mais ça coûte cher en métal! Ah ouais! Ah ouais, mais je m'attendais pas à ce que ça coûte si cher que ça. Mais ça coûte une fortune faire la suite de basilic. Ok. Pot. Ok. Ben, je pense en vrai qu'on va en avoir assez de métal, mais je pense qu'il va falloir que j'en reforme, sérieux. On a tout ça, c'est de métal. 200, ça suffit pas. Ok, ouais, on a assez de métal, c'est bon. Oh ouais! Mais je m'attendais pas à. Pourquoi par contre? Ok, ça risque d'être très long. Mais je m'attendais pas en vrai que ce soit un timing aussi facile. J'ai rien fait pour de vrai, j'ai rien fait. J'ai juste embarqué sur mon Reaper King pour pas qu'il me tue. Et en fait, il est vraiment direct arrivé sur l'œuf. Il l'a mangé tout simplement. Mais. What? Il y en a qui. Ils ont galéré! Mais ils ont galéré pour tamer le basilic. Moi, j'arrive. Voilà, il est en plein milieu. J'ai mis 3 œufs autour. Mais ça, tout le monde disait que ça en fallait au minimum 3. J'arrive. Je le mets. Oh non, mais c'est un. Non, non, mais c'était n'importe quoi. Oh, yoï. C'était vraiment n'importe quoi. Bon, je m'étais fait 2 piolets d'escalade. Regardez, je m'étais fait 2 piolets d'escalade. Un 56 balles de fusil à pompe. Je me suis mis de la viande, je me suis fait 3 gourdes. Parce que je me suis dit, ça va être un timing extrêmement difficile. Je m'étais tout préparé. J'arrive. Ça l'a pris maximum. Ça a tellement pas été long. Regardez, oh voilà, regardez, je l'ai fait sortir. Ah ouais, mais il est tellement stylé. Je sais même pas en quoi on va l'améliorer en vrai. La vie, 2000 de vie. Sa vitesse. La vitesse, non, là. Je pense qu'on a vu à quelle vitesse il pouvait aller tantôt. Je pense qu'on peut laisser faire la vitesse. Mais regardez en vrai la grosseur. What? Attendez. On va prendre Dragono. Voilà, puis regardez, on se casse à l'autre bout. Regardez la vitesse à laquelle il nous rattrape. Attends, yo. What? Mais regardez la vitesse! Regardez, regardez, regardez! What? Allô? Pas trop vite? What? Mais regardez la vitesse à laquelle il va! Ah ouais. Non, bah sérieux, non, 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 c'est n'importe quoi. What? Ah ouais, le poids par contre, 2240 de poids. Je pense que c'est mon dino qui a le plus de poids, ça se peut-tu?
Le Reaper King, il y a 1000. Le Mondragono, il y a 500-600. Les Rock Drake, ils ont pas plus que 700. L'Ankylo, il y a même pas 1000. Mon Parasaur, il y a 1000. Toi, t'as 200. Ah ouais, mais genre, je pense que... Attends, le Carquillo, c'est combien? T'as combien en poids? Il y a 920. Ah ouais, mais il y en a tellement de poids. Mais je vais l'utiliser pour farmer, mais je m'en fous. Je l'utilise pour farm, c'est sûr. What? Oh, toi. Bon, on va faire sa selle et on va aller tester son efficacité après ça sur des assez gros dinos, hein, sérieux. Alors, bon. On va prendre des fibres. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Fibres à repos. Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? Moi aussi, j'ai fait un cryopod, mais j'avais pas assez pour faire le cryo frigo. Alors bon. Celle de Basilosaure, c'est pour ça que je veux. Managarme, non. Golem. Bronto. Rock Drake. Rex. Mégalania. Celle de Basilic. C'est bon, on peut la faire. Oh, par contre, ça bouffe du métal! Les 425 de métal, ça coûte tellement cher! What? C'est n'importe quoi. Mais on va aussi, je pense que je vais faire un autre planeur dorsal, si je retrouve le craft. Planeur dorsal, le craft est ici. Voilà, j'ai pas assez de métal de toute façon pour en faire plusieurs. J'aurai plus de gemmes bleues, je vais rager. Regardez toutes les gemmes que j'avais. Gemmes rouges, j'en avais 600. J'ai presque plus rien. Gemmes bleues, pareil, j'ai presque plus rien. Mais c'est n'importe quoi. Bon. Ah, attendez, on va réparer l'armure qui a pris assez cher à cause du basilic quand il est sorti de terre. En fait, j'ai pas, je vous ai même pas relancé la vidéo en fait. Je me suis vraiment concentré pour pas me faire défoncer. De toute façon, il était juste à côté de ma base. Au pire, je vais juste apprendre le Rock Drake au pire puis aller loin. Mais... Alors voilà, bon, on a tout réparé, l'armure, tout est fait. Voilà, comme ça. Maintenant, notre basilic qui est justement ici. Il est magnifique, ce basilic. Non, sérieux, il est vraiment, vraiment beau. Je sais pas encore en quoi l'améliorer. Peut-être l'énergie, sûrement. Ça va sûrement être l'énergie que je vais améliorer. Je sais pas. La selle, voilà, c'est ça que je vais équiper. Voilà, à quoi ressemble la selle? Oh ouais, mais c'est tellement stylé! Attends, elle a combien de place dessus? Regardez, attendez, on va aller dessus. Et on monte. Elle a combien de place? C'est une selle à une place. Mais la puissance. Mais la puissance. Mais c'est quoi ça? Non, 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 c'est un signe n'importe quoi. Non, mais, non, mais, non, mais, sérieux, non. Mais genre. Non. Je t'ai demandé de mourir. Il est rendu là. Ah, il est mort là, c'était quoi? Ah ouais, mais gros, c'est parce qu'il est tellement cheaté. Il est trop fort. Mais il est trop fort, ce basilic.
Frat, on a 11 niveaux en amélioration. Vas-y, attends, on améliore l'énergie. On va améliorer la vitesse. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est trop fort. Mais il est juste trop fort en fait. Ah ouais, mais regardez la vitesse. Mais c'est n'importe quoi. Ah ouais. Non, non, mais sérieux, non, non, c'est vraiment du grand n'importe quoi ça. Attendez, ok, on s'en vient ici, on monte là. Non, on peut pas monter. Est-ce que tu peux sauter? Ah non, mais attendez, est-ce que je peux m'enterrer avec? Coucou! Ah ouais, mais c'est trop cheaté. Non, 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 c'est n'importe quoi. Attendez, est-ce qu'il y a de l'endurance sous l'eau? Est-ce qu'il y a de l'oxygène en fait? Ah, il peut aller sous l'eau en plus. Ah ouais. En vrai, je suis juste qu'à prendre mes kits de plongée en vrai, puis je peux aller avec lui sous l'eau. Genre, pas besoin de spinosaur ni rien en vrai. Tu prends un basilic, ça fait l'affaire. Ah ouais. Ah ouais, mais il est tellement rapide. Mais genre, il est tellement rapide. Voilà, regardez, on va le laisser ici. Je pense que je vais faire, je pense que je vais le mettre genre ici. En fait. Puis je pense que ce que je vais faire, je vais l'enterrer. Ah ouais. Mais le basilic est trop fort! Attendez, voilà, tu vas te mettre ici. Je vais débarquer et tu vas t'enterrer. Voilà, enterre-toi. Voilà, alors on a enterré le basilic. Pauvre rabat-joueur, en vrai, il n'y a vraiment aucune utilité. Sérieux, il n'y a vraiment aucune utilité. Pauvre lui. Bon, pendant ce temps-là, on a le parasaur justement qui est là. Je pense que je vais aller continuer en haut. Ce qu'on avait commencé. Attendez. On va aller voir. Voilà. Ici, voilà. Voilà, alors en vrai, il y a plusieurs choses que je vais faire pour la chaîne. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, voilà, tout est fait ici. Il y a juste là en fait à mettre de l'engrais. Ici, ici. Alors, voilà, en vrai, j'ai presque fini toutes mes plantations de narcoberry. En fait, d'un pote quasiment. C'est des affaires de pote là. Je te dis quoi d'autre. Voilà, en fait, ça a juste pas de graines. Voilà, tout simplement, on va aller en mettre. Ah ouais, c'est parce qu'il y avait déjà full engrais dedans. Ah. Je pense qu'on va chercher des graines de méjo. Alors, pour ça, en fait, je vais peut-être essayer aussi de faire des petites miniatures. Genre, mettons, je prends une photo, mettons, sur Internet. Mettons que, comme là, c'était le basilic qu'on avait teint. Ben, mettons, je vais prendre une photo du basilic, admettons. Voilà. Tout simplement. Ou sinon, je peux juste prendre une photo. Mettons, regardez, je le déterre comme ça. Regardez, j'embarque dessus, je m'envole plus loin que je peux. Voilà, on débarque ici. On fait ça comme ça. On attend que ça s'en aille. Voilà, on bouge plus. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Et ça, en fait, ça va être pour la miniature. Ouais, parce qu'en fait, je fais tout sur mon PC, mais j'enregistre sur ma PS4, comme vous voyez en bas. Alors bon. Ils sont malades de venir m'attaquer. Hein? C'est qui, je t'appelle? Boum, t'es mort.
Non, mais non, non, non. Sérieux, non. Non. Sérieux, non, non. Le basilic est vraiment trop cheaté. Voilà, alors on le place comme ça, ici, voilà. Sir, regardez, le basilic! Oh non, mais ça, il est trop beau. Alors, c'est plus facile que ce que je pensais. Bon. Non, grâce à ça. Maintenant, moi, ce que ça me dit, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est que ça va très bien. Et ça annonce aussi la fin de l'arc aberration, surtout, bientôt. Voilà. Alors, malheureusement, on a presque tous les dinos. Oh, voilà. On a les Reaper King, voilà, le roi faucheur. On a le Carquinos. On a les Rock Drake, voilà, avec Dragono. On a le Basilic. On a le Ravageur. On a le Doedicurus irradié. Le Bulldog. Voilà, hein. Il nous manque le Plumineux, le Glotel, la Lumicorne. Et c'est tout. Ouais, je pense que vraiment, il y a l'autre. Bon, il y a des lucioles, si on peut pas les avoir. Ah oui, il y a aussi les dinos marins. Quand je parle de dinos marins, je parle surtout des piranhas, irradiés et des choses comme ça en fait. Regardez, en fait, je vais vous nommer. Je vais regarder sur mon PC. Pas de dossier combat. Co-strategy. Ok. En vrai, ouais, j'aurais peut-être dû faire une petite pause là-dessus par contre, mais je pourrais pas en faire parce que, bah ouais, peut-être que je vais pouvoir la faire au montage, je sais pas. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée comme j'ai apprécié de faire ces vidéos. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner avec le petit cerf qui va apparaître et de continuer, bien sûr, en écoutant ma dernière vidéo où qu'on se préparait pour le timing justement du basilic, où qu'on volait les œufs. Et une vidéo justement aléatoire. Oh voilà, en fait, c'est moi qui choisis les deux vidéos. En tout cas, moi je vous dis ciao, à la prochaine. Bye bye!